C'est bon, t'es prêt? Oui. C'est pas fou, go, go, go. Je peux pas courir. Je peux pas courir. Merci à Terre de France qui sponsorise cette vidéo. Terre de France, c'est une entreprise que je vous présente plus, qui fait travailler des artisans français et qui reverse une partie de ses bénéfices à des associations de militaires ou de paysans en difficulté. Et aujourd'hui, ils arrivent avec deux nouveaux produits. Le peigne en corne Terre de France, qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Les peignes en corne, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en matière de peigne, que ce soit pour les cheveux ou la barbe, ça conserve vraiment la qualité du poil. C'est un peigne qui est fabriqué en Ariège, dans la même usine depuis 1820. Chaque peigne est unique et a vraiment une teinte qui dépend de la corne dans laquelle il a été façonné. Avec, il y a le savon de rasage Terre de France en saponification à froid. Il est bien pour l'avant-rasage et l'après-rasage parce qu'il y a de l'huile essentielle de lavande dedans, ce qui fait que ça apaise vraiment la peau. Une boîte comme ça, c'est environ 150 utilisations, donc c'est assez économique. C'est entièrement fabriqué à Salon de Provence. Et avec, il y a le blaireau en toile véritable Terre de France qui est entièrement fabriqué dans le Puy-de-Dôme. Donc avec tout ça, vous avez vraiment un kit pour entretenir votre barbe avec des produits de qualité et durables. Alors n'hésitez pas, car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Salut les gars, aujourd'hui on est avec La Gauloiserie et Clément le Cadreur pour de la violence. En gros, on était chez Emmaüs. Ceux qui ne connaissent pas Emmaüs, c'est tout simplement une association fondée par l'abbé Pierre qui récupère tout ce que les gens donnent, des meubles, des fringues, des machins, ils les revendent à très bas prix et l'argent va pour l'association de l'abbé Pierre, donc pour les personnes démunies. Nous, ça nous a intéressé parce que c'est comme ça, ça nous a permis d'acheter de l'électroménager à bas prix, vu ce qu'on allait en faire. C'est pas pour une tête de seigneur. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer derrière Victor? Qu'est-ce qui va se passer avec cet électroménager? On va voir si la garantie est toujours active. En fait, on s'est dit, voilà, vous êtes chez vous, tranquillement, et il y a une attaque terroriste. Il y a un terroriste qui rentre chez vous. Quel est le meilleur électroménager derrière lequel se cacher? Voilà, faire par balle. Apparemment, personne n'a la réponse, puisqu'il n'y a pas d'études sur le sujet, donc on a décidé d'en faire une. Donc, études double aveugle, etc. Tout ça est scientifique. Ça se fait suite à nos expériences avec les fruits. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en fiche. J'oublie toujours de mettre la fiche, mais si j'ai pas oublié, allez-y. Et là, bah voilà, on va voir ça. Alors, j'ai une sinusite, c'est pour ça que je parle du nez. De toute façon, à chaque fois que j'ai un chez Victor, j'ai un truc. La dernière fois, c'était le Covid, là, c'est une sinusite. Le sida, ça dépend des joueurs. En tout cas, des broutilles. On peut avoir la réponse à tout ça, quoi. Parce que moi, ça m'intéresse. Moi, je pense que le fer à repasser, pronostic, le fer à repasser est par balle. En fait, le fer à repasser, je pense qu'effectivement, il est par balle. Le problème, c'est la surface d'exposition qui est minime. Faut le temps de loin, tu vois. C'est ça. Donc, bon, la gazinière peut être intéressante, on verra. Elle est encore dans le camion, d'ailleurs. Dommage que dans le mot gazinière, il y ait gaz, quoi. c'est le petit souci, quoi. Bon, là, toi, t'étais pas là la dernière fois, mais tu es un prédécesseur. Donc tu vas remplacer Brochot, je vais te montrer pour le téléphone. Ça marche. On va aller s'installer. Qu'est-ce qu'on va recharger? Oui. Donc on s'est rechargé, ah, tu vas tirer à la 22 sur l'aspirateur? Bah faut démarrer petit, quoi. Petit, hein. Mais on s'en branle, on passe direct au 12, c'est bon là. On va voir si la garantie est vraiment efficace sur ce type d'aspirateur. Sachez que le type est en claquette dans les champs. C'est vraiment parfait.
Un film, c'est claquette. En fait, tu vois, j'ai bougé un peu. Film bien, c'est claquette, Pedro. Vos appareils d'électroménager seront peut-être en marche quand vous allez devoir vous défendre avec. Donc, on les met en marche, regardez, avec ce petit bouton grâce à l'installation électrique de Victor, qui est plus ou moins ingénieur. Plutôt moins que plus. Ça démarre. Je sais pas si vous entendez, mais l'aspirateur est en route. C'est magnifique. Attends, j'ai pas de bouchon. On s'en fout. C'est une 22, mec. Ah, on s'en fout, ouais. Oh, il est mort direct. Déjà. Oh non. Oh, c'est si décevant. C'est tout. On lui a mis une balle. C'est nul. Il est mort. Il est mort en une balle. Ah merde. Non. Comment t'as visé le moteur, espèce de con. J'ai visé à peu près, c'est pas très précis ce truc. Il a pris où? Il a pris là. Ah oui, non, mais. Mec, t'as visé le pire endroit en fait. Du coup, pour les besoins du sondage, on va l'exploser au bout. Bon, en tout cas, l'aspirateur, c'est non. Puisque. ça a traversé. Bon, là, ça va... là, je sens que ça va être mieux. C'est de la bonne vieille grenaille en 28 grammes de baltrap. J'ai reçu un truc dans la jambe. Quoi? C'est... J'ai reçu un éclat dans la jambe, mec. Un éclat d'aspirateur, je te jure que c'est vrai. Mais vous, on n'a rien mis pour protéger. On t'a dit qu'il avait le bouclier aussi, là. Pour l'entretien, un bon coup de 12 à la mûre. Pour l'entretien, c'est nickel. Ouais, alors, ça va, c'est de la brousse. On nous l'a vendu avec de la poussière intégrée, faut le dire. T'as pas aspiré le champ tout à l'heure, peut-être? Franchement, c'est décevant. Il éclate pas en 1000 morceaux comme on voudrait. Non, il faut le fumer au slug, je pense. Regarde ce qu'il me fait faire, lui. Vas-y, fais ça. Tu veux tirer de près, c'est ça? Ouais, c'est bon, on va être bien. C'est bon, t'es prêt? Oui. Oh, par contre, le son, mec, de devant. Ah, ça a dû faire mal. C'est l'horreur. Là, il est ouvert. Ah. Là, il a mangé. Et ben, on le savait que c'était pas par balle. Rendez-vous, je suis quand même déçu. Ah oui. Un cigare pour la vente de moteur d'aspirateur d'occasion. Mais là, c'est mieux, là. L'ouvre bien. C'est pas hyper impressionnant. Non, mais c'est le plus petit truc, le plus petit objet qu'on ait. Hein. Non, c'est pas le plus petit, mais c'est. Ouais, c'est le moins. Enfin, c'est le truc qui réagit le moins. Mais en fait, il part pas en 1000 morceaux comme je voudrais, quoi. Ouais, mets le ventilo. Attends, je vais allumer l'électricité. C'est parfait, ça. Laisse-le bien tourner. Non, faut sûrement. Si, c'est marrant, au contraire. Mais non, parce qu'il faut lui tirer bien de face. Eh ben, Baptiste, à mon avis, on lui remet un coup de 12 au ventilo, hein. Vas-y. Et les autres objets, ça rendra mieux la carabine. On met un 12 quoi? 12 grenailles? 12. 12 grosses grenailles. De près, c'est un ventilo, c'est pas très solidaire. Tu plombes combien là-dedans? C'est de la 36 grammes. Ah oui, en 36 grammes. Mais tire pas dessus, mais tire pas dessus. Tire pas dessus, dis. Ça l'a éclaté. J'ai rien vu, je suis planqué. T'avais mis le téléphone? Putain, Clément. Oh non. Il avait pas mis le téléphone. Il est si... Mais lui, il a cru qu'il était pour ça, lui. Clément, bordel. Clément, le prochain sur la palette, c'est Clément, c'est parti. Mais putain, le seul... You had one job. Ça putain, va, regarde. Attends, t'as pas coupé le courant, touche pas. Oh. Il marche plus. Je comprends pas pourquoi. Ah bah, il s'est arrêté net, hein. Je comprends vraiment pas beaucoup. Non, je comprends pas. C'est vraiment de la câblotte chinoise, c'est ventilateur. Il a pris cher. Putain, je suis deg qu'on ait pas ça. Ah putain, merde. On est en super ralenti. Ça devait être exceptionnel. T'inquiète pas, il y en a d'autres. Hein. Vas-y, de fou. Vas-y, là, je vais me venger tout de suite sur un truc. L'écran slug. L'écran, faut qu'on le fasse à la 308 avec un truc à une balle, vraiment. Ou à la 6.5, tu vois. Je pense. Moi, je pense la slug. Hein. Tu veux tirer qu'au 12, en fait. Oui. Ouais, la slug, ça peut rendre bien dessus. La slug, ça va rendre bien. Il s'allume, mais après, voilà, il fait rien, quoi. Il y a un peu de poussière, on voit pas bien. Personne n'a un truc pour brancher quelque chose dessus. Non, j'ai pas bien mon magnétoscope, non. Mais c'est quoi? C'est une télé? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une télé. Appuie sur pour. T'as pas ramené un décodeur? Non, c'est bon, c'est allumé, hein. Regarde. Là, tu viens de l'éteindre. Ils nous ont vendu une télé qui marchait pas, les rats. Grave, à 5 euros, quoi. On va la ramener. On va la ramener. Bon, le bouton est bleu. Tant que le bouton est bleu, c'est que c'est en vie. Quand c'est plus bleu, c'est plus en vie. C'est bon. Non, mais t'appuies pas sur moi, putain. Non, tiens, pas dessus. On l'a bien traversé, ouais. J'ai entendu un bruit après le tir. Avec le bouton. C'est de la grenaille, là, que t'as? C'est de la bonne vieille grenaille. Non, mais attends, il faut être beaucoup plus près. Tu tires à 10 cm. Ouais, tu veux que je prenne tous les éclats dans la gueule, mais en fait. Non, mais t'as un bouclier, Victor, mec. En quoi bon, vas-y, mets-toi devant. Non. Le bouclier, il est derrière. Le mec en inter qui sert à rien. Tu sais, il est 10 mètres derrière avec un bouclier. Qu'on va faire. Non. Règle le carré pour pas que je sois dedans. Je suis en face, là, ou pas? C'est bon, le ralenti est mis, mec. Tu es en face? C'est bon? Niveau visé, c'est bon? Mais voilà, la grenaille, c'est de la merde, je l'avais dit. C'était trop vrai, en fait. Bah, c'est trop vrai, ça fait comme une slug. C'est vrai, ça fait une slug, en fait. Ah, ça fait une... C'est le même truc que la slug. On était beaucoup trop près. Ah, c'est dommage, il marche plus. Ouais, c'est comme... La gueule du bouclier. Il protège de rien du tout, mec. Tu tires à la chevrotte? Vas-y.
Tout le monde est prêt? Ouais. Putain, il a reculé. Ça l'a éclaté. J'ai envie de l'éclater, franchement. Il est pas assez éclaté, hein. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Trop propre, tu vois. Attends. File-moi deux grenailles. Non, non, mais on passe à un autre objet. On passe à un autre j'ai objet. Envie de le finir. Et voilà, t'as tiré dans la cagette. Dans la cagette. La cagette. Et ben n'empêche que les plombs sont pas passés. Alors sachez-le. La télé est pare-balle au niveau la de la télé grenaille. Est pare-balle. S'il y a une attaque à la grenaille, la télé est pare-balle. On n'a pas vu ça avec les slugs, hein. Les slugs, c'est pas pareil. Ah, seulement pour la grenouille. Ah, si elle marche, c'est trop bien. À mon avis, glisse pas les haut-parleurs, déjà. Prendre la fonction publique, c'est parfait. Là, la musique, on va se taper des droits d'auteur. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Donc, son envoi de matériel. Chevrotte ou grenouille? Chevrotte. Chevrotte. Vas-y, je la tire, t'as tiré l'autre chevrotte. Bon, là, vous êtes chez vous, le bouton de la radio ne marche plus, il est l'heure de partir au travail. Vous n'allez pas laisser la radio allumée toute la journée à la maison. Maurice rentre chez vous. Vous étiez en train d'écouter la radio. Vous saisissez de la radio. Le terroriste prend son arme. La suite, on va le voir. Ça l'a débranché. Donc, on sait pas si elle ça marche. Elle a reculé ce qu'elle a pris dans le nez. À mon avis, elle marche plus. Oh, au c'est bon, abord. C'est pas grand chose. Je sais pas vous, les gars. J'ai envie de leur mettre un coup comme ça. Mais moi, j'en ai marre. Je trouve qu'il y a rien qui explose. Je pense qu'on devrait mettre le micro-ondes avec une bouteille de gaz dedans et le mettre en route. Je trouve qu'il y a quand même une baisse de motivation dans l'équipe. Et de voir une explosion, ça va remonter les troupes. C'est que le moral de troupe, c'est plus une important. Une bouteille de gaz dedans, sans parler de tirer et tout. Ah non, mais au lieu, on se barre, on regarde. On laisse Pedro à 2 mètres, on se barre. Il faut le démarrer très loin, non? Mais non, non, mais non, il va pas exploser au moment où on l'allume. Hein. Vas-y, branche le micro-ondes. Branche le micro-ondes. Attends, les bouteilles de gaz dedans. Et par contre, on se barre. Hein. On se met pas à côté là. Ah bah on se barre, oui. Allez, deux grosses carrément. Ah non, une grosse, une petite. Attends, je vais avec le courant. Le courant est éteint. Le courant. Eh hey, attends, filme l'autre tarlouse, regarde-le. Le point rendez-vous, c'est derrière le Suzuki. Mais mec, c'est trop long. Je suis en train de tout préparer. Eh, hey, tu tombes pas, surtout tu passes dans le colza. Non mais les gars, sans déconner, venez derrière le Suzuki après parce oui, que oui, oui. Il peut vraiment y avoir des débris. On a tous peur de mourir, Pedro, il fait « Ah, remets bien ton micro, on entend pas bien le son, ça grésille. » Tu m'as rien à branler. Vas-y. T'es prêt, Victor? J'allume le courant. Vas-y. Ah c'est Pedro, il reste à côté ou quoi? Pedro, planque-toi. Pourquoi Pedro, il reste à côté? Il tourne le micro. Je prends. J'ai appuyé deux fois, en tout cas. T'as mis les crispy? Normalement, il a mis. Tu l'as entendu tourner? Oui, ça fait bip-bip. On arrête tout? Oh, ça me fait! Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. C'est en train de brûler? Oui. Oh, je me suis chier. Ça brûle la tête. Je crois que la minute est passée. Les gars, il faut allumer le courant. Il faut mettre 5 minutes et le démarrer. Tu peux forcément faire ça sur les micros. Tu crois? Tu dois avoir un truc avec une horloge. Vous avez coupé le courant ou pas? Ah non! Il est trop court! Analyse! Mais non, mais il est trop court, il va vite! Analyse! Attends, les boutons, analyse! Comment les boutons. Ça marche? Avant, bien. Avant qu'on mette! Ah, oh, mais ça fait du bruit là-dedans! Ah ouais? Ah, c'est un bruit c'est agressif! C'est direct quand tu vas démarrer! C'est pas un bruit amical qui sonne là-dedans! Attendez! Il est à 5 cm de sa tête! C'est chaud, putain! C'est chaud! Mais vas-y, on s'en fout! Analyse les boutons! Qu'est-ce que tu vois comme bouton? Décris ce que tu vois! Le fil rouge, le bouton rouge! Il y a des boutons cuisine! Tu vois un bouton cuisine? Il y a des boutons cuisine, c'est tout! Ça n'a rien à voir avec des explosions! Non mais est-ce qu'il y a un bouton avec des carottes, un gigot, un rôti? Il y a un gigot, un rôti? Il y a quoi d'autre? Il y a pas un dessin d'une bouteille de gaz quelque part? Il y a un chef cuistot! De quoi? Il y a un chef cuistot dessus! Ça tourne! Ça a marché, mon. Tu l'as entendu démarrer? J'ai tourné le bouton à fond, j'ai appuyé bip, ça mais est-ce marché. Que t'as vu les chiffres? Oui, j'ai vu les chiffres. Mais tu l'as vu démarrer? J'ai monté à 5 minutes. Je veux dire, voilà. Il a mis 5 minutes, ça va marcher.
Tu vois quelque chose? Ça a pété d'un coup, tu sais. Plus personne va être protégé. En tout cas, on entend que t'as quand même le moins par jeu. Ça pète pas. Non, je pense que je suis le plus sensé. Donc c'est lui le plus con? Non, impossible. Non, c'est, disons que. Impossible à voir, c'est trop sombre. On peut pas voir? Non. Bon. Moi j'ai bien peur que ça soit pareil. Je vais faire putain, faire une taille voir. Ouais, je crois. Hein. J'ai bien peur. On va pas y avoir le choix. Moi je me. Non. On va y aller en Suzuki, vous allez taper un micro en boss. T'as bougé. Regarde Pedro. Pedro, on dirait qu'il est pas dans le tournage. Il y a pas confiance. Pedro, c'est un être supérieur qui prend pas les dégâts. Il sait que ça va pas péter, il y a rien à foutre. Attention, j'allume. Mais prenez le bouclier. Mais il est trop bon. Mais et tu seras moins dangereux de le prendre que de rester à 2 mètres comme des cons debout. C'est bon. Voilà, là, normalement. Ouais, là, c'est bon, 89 minutes. Il faudrait que t'appuies là. C'est mort, quoi. Je peux pas courir. Vas-y. Il faut avancer plus près maintenant. On est trop près. Tantôt comme ça fuit. Mais regarde. C'est juste, c'est chaud. Mais non, ça fuit. Ok, donc comme tout est un fiasco et que ça n'a pas marché avec les bonbons dedans, on essaye autre chose, de tirer dessus. C'est pas beaucoup plus intelligent, mais on espère qu'il se passe quelque chose. Tout ça pour la science. Il commence à cailler ses verres, donc il y a intérêt à ce qu'il se passe quelque chose. T'es prêt? C'est bon. Attends, j'ai pas mon casque. J'ai pas mon casque. Culé, ça rien. Il tourne encore? Mais non, il tourne plus. C'est sûr qu'il a arrêté? Mais super gentil! Waouh! Oh la soupe de gaz qu'il y a eu! J'ai eu trop peur, on a pris tous les éclats de la porte! J'ai pris la porte dans la langue! Putain! Mec, elle est magnifique! Super, regarde l'image! Oh, c'est incroyable! Regarde l'image! Oh, l'image est folle. Alors là, on peut pas faire le test de savoir s'il fonctionne encore. Je crois que... La vache, après, il a pris. Si ça va, le truc pour l'allumer, il est encore entier. Tu sais que moi, j'avais le casque, je sais pas ce que vous avez entendu, parce que moi, ça j'avais le casque, ça fait fort. Oui, ça fait boum. Oui, oh, c'est bon, faut pas une mauvaise foi, regarde. Il ça va. Comme neuf, l'engin. Ça marche plus, il marche plus. Ah, attends, le ventilo, il tourne encore. Non, mais faut qu'on fasse autre chose. Quand on a fini. Faites tomber. Vas-y, on va lui mettre une 6-5. Oh, c'est pas mal ça. Alors, par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins par mal que ce qu'on imaginait. Ah oui. Oh oui, ça a fait une belle celle-là. C'est propre. Éclatax. Oh, le trou est parfait. C'est super propre, le trou de sortie. Comme dirait la pistolerie, le trou d'entrée. On y met un slug, allez. On ne réfléchit pas. Bon, il y a un truc, moi, qui m'énerve depuis le début. C'est quoi qui t'énerve? Dis-moi tout, j'ai vergué son ventre. Attention, oh, putain. Ta petite lampe de merde. Cette énorme fils de pute. Tu peux pas chercher ton ampoule pour l'allumer? Il me regarde. Il y a une ampoule dedans? Non, il n'y a pas d'ampoule. Non, on peut pas exploser l'ampoule du... Il me regarde comme... Non, il n'y a pas d'ampoule. Ouais, il me regarde de travers, lui. Je le hais. Attends, je tiens à dire quand même que la lampe, donc c'est une lampe d'occasion de Emmaüs, il y a des inscriptions dessus. D'enfant. Si quelqu'un reconnaît sa lampe en vidéo, bah elle est là, elle finit sa vie ici. Des inscriptions d'enfant en plus. Non, alors c'est pas d'enfant, c'est bonne retraite, excellente retraite. Bonne retraite. Attends, c'est infâme, ça veut dire qu'il y a des gens pour la retraite de quelqu'un, ils ont offert cette merde. Ça va, ouais, mais ça, on s'en fout. Une merde. Bonne retraite. 90% de chance que ce soit une sale merde qui ait voté Macron. bonne retraite au paradis, fils de pute. Ou en enfer.
il ramasse ça. Le bruit du laser, c'est trop drôle. Je le prédis. Oui, il a eu mal. Ne fais pas chier avec ton capuchon. Ah, le téléphone. Le téléphone. Ah, mais oui. Au standard. Micheline au standard qui vous appelle. Ah, il y a la cafetière aussi. Le téléphone, faut que tu le fasses à la 308, je pense. Ok. Attends, mais il a... Ah bah non, je veux dire, il a pas de numéro, on peut pas l'appeler. Non, c'est marrant qu'il sonne. Non, parce que c'est un téléphone fixe. Putain, mais futé, Léon. Attends, bah attends, t'as raison. J'ai pas... Attends, je le branche. Je savais pas qu'il y a une prise comme c'est ça, une tu vois. Terre. Oh, c'est bon. Tu vas le faire avec quoi, avec la 300? Ah, tu m'as dit 308. Ouais, ouais, c'est 308. Bien. Les mecs se cadrent, on dirait un cheval. Regarde. Il comporte toujours des trucs improbables. Il câble, je dis, il voit un téléphone, il aura dit qu'il prend une balle. Alors, on dirait vraiment un cheval. Vraiment. Je vois, pour moi, c'est un cheval. Tu m'aurais pas dit que c'était un téléphone. Dans ma tête, c'était un cheval. Ça ressemble en plus à la couleur et tout. C'est vraiment tout pareil. Ah, l'odeur tout et tout. Pareil. Un cheval, là. Je vois, il jette ça derrière. Wow. Dedans ah. Oh, attends, je prends des débris. Oui. Mais regarde ce que j'ai reçu, mec. Ah, c'est en short. J'ai reçu ça dans l'épaule. C'est vrai. J'aurais pris dans la gueule, j'aurais pas été bien. Bon, les amis, il est l'heure de conclure cette vidéo qui... C'est un, jeu. C'est un fiasco. Ouais, je sais pas comment c'est pas pensé. Il y a eu des bons moments. C'est marrant. Il y a eu des bons moments. Le micro. Il y a eu des peurs de la mort aussi. Il y a eu le micro. On a envoyé plusieurs fois Clément au combat seul. Ouais, ça va. Il est à la hauteur de Brochot. Qui sera le prochain? C'est ça la vie. Et après, on fera un contest entre tous les trois. Un combat. Un combat mort, des trucs à risque. Celui qui est prêt à prendre le plus de risques pour la chaîne de Benjen Cigar. Merci Victor de nous avoir accueillis sur un de tes terrains encore une fois. Pour tout là, là c'est le ramassage qui commence parce que on n'est pas des sales merdes donc on va devoir tout ramasser et tout aller foutre à la déchetterie ce qui va nous prendre quasiment autant de temps que tourner la vidéo. Après c'est pas notre vidéo au pire. Avec l'aspirateur. Ouais, mais après c'est pas, après, c'est pas notre vidéo. Mais après au début je me disais on peut utiliser l'aspirateur pour récupérer les boulevards mais il marche. Mais non, putain. L'aspirateur il est baillé là-haut là. Et bon merci. Et bon, c'était cool d'avoir risqué ma vie. Exactement. Bon et malheureusement. Bah non, je suis pas mort. Il n'a pas été blessé. Malheureusement, aucun. Malheureusement pour les vies. Aucune hémorragie dans cette vidéo. Voilà, désolé, on a fait ce qu'on a pu, mais. Pas de radiation. Pas de... Allez, pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Encore un grand merci à Terre de France d'avoir sponsorisé cette vidéo. Retrouvez le peigne en corne, le savon de rasage à froid et le blaireau Terre de France en lien en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.